Allez, gros molto, carrefour de l'Odéon, quoi de nouveau? Carrefour des Amériques, l'histoire de Cuba, olé sur France Musique. De citations en touche d'érudition, François-Xavier Sompsac déroule ses arabesques sur France Musique. Benjamin François, précieux, précis, technique à France Musique. Sur France Musique, Arnaud Merlin, force tranquille du contemporain. Lycée Sereine, Judith Ken sur France Musique. La vie est belle quand Denisa Kershova, Allegretto va. Sur France Musique émerge de sous la couverture un auteur à la page. Sur France Musique, Christian Merlin, enchanteur au cœur de l'orchestre. Portrait de famille de Philippe Cassard, le piano dans l'âme et dans la peau. En piste, les nouveautés de Rodolphe et Émilie ne font pas tapisserie. Laurent Valero, un coup d'œil dans le rétro, retour de plage. Retour de plage, émission vintage sur France Musique. Thierry Jousse, la mer laisse des micro-sillons sur le sable blond. Très tôt sur France Musique, tout le monde rit trop avec la chronique de Thierry, il est rit trop. France Musique Voyage, musique équitable avec Françoise de Georges. Anne-Charlotte Raymond, Musicopolis, les potins des coulisses. Ça réveille et ça pique à France Musique, Lionel Esparza, on ne l'adore que pour ça. Toutes les sortes de musique par Marcel Quillévéré au carrefour des Amériques. Le bac du dimanche, une messe laïque sur France Musique. Les grands entretiens, un feuilleton dont on connaît la fin sur France Musique. Un faux scarabée, rêve d'égyptomane, la Sétoine. À l'abbaye de Jumièges, les ruines découvrent des vues que d'habitude les murs piègent. Le dernier visiteur sortant, le château de Breteuil, entre dans le sommeil de la Belle au bois dormant. Des architectes font faire des bâtiments qui trop en jettent. Pourquoi des appels d'offres si après des architectes font exploser la cagnotte? Dans son linceul pour le grand voyage, Christo tout seul. Elfie dans le port, tour de Babel de génie ou escroquerie?
dans Paris, ville nouvelle, des gratte-ciel, vrai tour de Babel. Daniel Buren verrait bien pérenne l'art éphémère. Un cabinet autrichien a construit, déconstruit le musée des confluences. Cube déconstruit d'une cubiste apparence le musée des confluences.